Et en parlant d'achat, sachez que les pharmacies doivent dorénavant limiter l'octroi de gel hydroalcoolique. Plus question de faire du stock. Ce gel doit être réservé à ceux qui en ont le plus besoin. Alors pour en obtenir, il faudra dorénavant être muni d'un document établi par un médecin ou un pharmacien. Les explications tout de suite d'Elisabeth Grotars. Dans cette pharmacie, vous ne verrez pas de gel hydroalcoolique car comme partout en Belgique, c'est devenu une denrée rare. Ici, on attend avec impatience que les commandes arrivent. Là, ça fait 10 jours qu'on n'en a plus du tout. Pourtant, j'ai fait des commandes il y a 3 semaines chez des fournisseurs chez qui on en a tout le temps, qui eux nous disent ça arrive, ça arrive. Les commandes, nous dit-on, qui peuvent maintenant être faites directement auprès des distilleries par les pharmaciens, vont arriver d'ici peu. Mais pour éviter une autre pénurie, le ministère de l'Économie a annoncé que désormais, il faudra une ordonnance de votre médecin ou pharmacien pour obtenir la vente de gel, d'alcool pour les mains et d'eau oxygénée. Des ordonnances réservées au personnel soignant et aux personnes infectées par le Covid-19, mais pas seulement. On peut imaginer que des personnes qui sont immunodéprimées aient besoin de matériel de protection, ou des gens qui sont en traitement immunosuppresseur, par exemple. Et l'autorité aujourd'hui se réserve le droit de mettre en place des mesures pour, si on sent que certains produits vont être en pénurie, de vraiment mettre ces produits en quarantaine pour encore serrer les boulons un peu plus. Si cette mesure est bien respectée, les pharmacies et donc plus les supermarchés pourront fournir assez de gel aux personnes concernées. Pour Catherine, qui est confinée chez elle, il n'est en effet pas nécessaire d'utiliser du gel. Lavez-vous les mains, faites attention et vous n'aurez pas besoin de gel machin chose, c'est totalement inutile. Le gel, ce n'est uniquement si on touche des objets et qu'on aurait, pas fait attention qu'on se touche le visage, mais si on garde nos distances et qu'on met des gants, même des gants je crois en coton, ou ce sera déjà très bien. Et pour être certain que les personnes qui reçoivent cette ordonnance n'abusent pas des quantités, leurs achats seront enregistrés. Quand elle se présente avec sa carte d'identité, automatiquement, nous avons accès au dossier partagé ou nous créons un dossier partagé. C'est un contrôle, oui, oui, pour qu'il y en ait assez pour tout le monde. Reste donc maintenant à espérer que cet arrêté évite bien une nouvelle pénurie. Un arrêté qui met également la vente des masques sous ordonnance pour la réserver en priorité au milieu hospitalier.